On est samedi matin, on va chez Francis à Pike River, dans le sud du Québec en fait. Notre but là aujourd'hui, c'est de remonter mes Workmaster. En même temps, Nicolas va venir aussi parce que lui, il refait ses Autostrada Monza. Il a changé les libres pour avoir un peu moins de largeur, pour que ça fonctionne un peu mieux sur sa Porsche 944. Donc, on va faire ça aujourd'hui et je vous amène avec moi. Puis là, il nous reste à mettre tout dans la voiture, donc on fait ça maintenant. Francis, il a la chance d'avoir un très beau garage, mais il habite vraiment dans un coin perdu. On est vraiment à la limite des douanes avec les États-Unis. Il a peut-être 5-10 minutes des douanes avec les États-Unis. Ça c'est Francis, ça c'est Nicolas avec la 944, Francis avec la BMW 34 qui est vendue. Hello! Là on va sortir les roues et on va les mettre. Qu'est-ce que tu fais Cosmo? En bas. On va les mettre dans le garage pour finir ça. On va faire un petit tour du garage à Paulin avec son beau Sony qu'on va déplacer. Yes sir! Enlever le moteur. Y'a Kodiak. Qui veut juste le moteur. Il veut juste attraper le micro, il est fou! Donc on a un petit problème, les outils que j'ai en ce moment chez Francis ils sont pas assez puissants pour polir les libres comme je voudrais, je veux vraiment un effet miroir. Donc on va aller chez Jérémy, mon ami que vous avez déjà vu, on est allé au Kenny avec. Parce que lui il a quand même une grosse polisseuse, parce qu'il y a encore des égratignures assez profondes. Et ça se voit, même si je l'ai poli en ce moment, ça se voit encore. Donc on n'a pas trop le choix d'avoir quelque chose d'un peu plus abrasif pour aller enlever toutes les égratignures pour avoir un effet un peu plus miroir. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Puis on va continuer à aider Francis avec le Sony, à enlever le moteur. Ça tombe tout sauf dans le sou. Parfait! Il doit pas être vieux, ça te reste en mode. Je sais pas. C'est visé, voilà. Ça m'a amené vraiment 3-4 pour faire des coups. Mais oui, il y en a plein. Avec un short de caméra, c'est cela. Là, tu fais rien tout seul. Rien. Hey, ça veut-tu que t'es cher, même poser des coyons beaux au garage? Le moteur est sorti, il est juste ici. Nicolas il a fini ses roues, elles sont juste ici. Elles sont aussi à vendre. Donc si vous voulez voir ses roues, c'est DadBurner sur Instagram. Elles sont à vendre avec les dimensions, tout ce qu'il faut. Puis moi mes roues, j'ai pas fini. En fait on va aller chez Jérémy pour les polir. Parce que malheureusement ça suffisait pas les outils qu'on avait aujourd'hui.
parce qu'elles étaient un peu trop abîmées. Donc, on se voit dans une prochaine vidéo avec ce magnifique éclairage qui me donne les plus beaux traits au monde. Bon, salut!